Voici des images que les citoyens congolais ne verront jamais sur une chaîne de télévision publique. Un hôpital inondé d'eau par manque d'infrastructure. Ça c'est mon bureau. Dans l'eau. Dans l'eau. Coline Makosso, qui s'est permis de peindre un tableau mensonger et flatteur de la gestion de la chose publique par le despote Denis Sassou Nguesso. Depuis plus de 40 ans, doit se mettre à l'évidence de l'échec de ce dernier. Coline Makosso s'est même permis d'affirmer que le despote congolais était la garantie d'une paix durable dans le pays, quand même les populations vivent dans une telle humiliation structurelle et sociale. Excellence, Monsieur le Président de la République, très distinguée Madame l'épouse du chef de l'État, au moment où nous nous engageons à mettre en œuvre la feuille de route que vous allez certainement nous repréciser à la suite de mon propos, je voudrais, au nom de l'ensemble des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation, formuler d'abord pour votre chère épouse, Madame Antoinette Sassou Nguesso, socle inébranlable du premier foyer congolais, notre foyer national, et pour tous vos proches, nos meilleurs vœux de santé, de prospérité, de bonheur et de succès sur tous les plans. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons préféré commencer par eux, car plus que nous, vos collaborateurs, ce sont eux qui vivent au quotidien vos angoisses, vos peines. Ils sont des coussinets grâce auxquels vous pouvez supporter la lourde charge et les énormes sacrifices que vous consentez pour le Congo. Ils subissent comme vous, au quotidien, les jugements parfois excessifs, incisifs et injustes des atrabilaires. Dans le même temps, vos collaborateurs vous renouvellent leurs vœux de loyauté et de dévouement. Dans le même temps, vos compatriotes vous renouvellent leurs vœux de fidélité en nourrissant une conviction profonde, une foi inaltérable de vous voir continuer d'endosser la veste d'homme providentiel pour le Congo. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous espérons vous voir continuer aussi longtemps que l'Éternel vous garantira santé et longévité de conduire notre nation vers les rivages du développement et du bien-être, naviguant avec assurance sur les eaux tranquilles de la paix que vous avez instaurée, restaurée et consolidée. Les Congolais ignorent encore qu'ils sont esclaves d'une famille, d'un système politique post-colonial dont le dictateur Denis Sassou Nguesso est le visage. Seule une décision courageuse, une action d'hommes et de femmes pourrait arrêter cette tragédie imposée par le PCT.
Merci de vous abonner et de partager la vidéo. Au revoir. Les gens qui me disent, écoutez, ne me dites pas là, quand nous faisons un distraire. Bon, nous avons fait très attention, tu as la famille au pays, tu as, nous sommes habitués, même si nous avons une famille, nous avons une famille, c'est à eux de voir, on s'en fout. Une famille, nous avons une famille, une tête, nous avons donc, il me faut d'abord un stade. Parce que Niyama, les gens ont fait très attention de tout ce que tu dis. Tu as la famille au Congo-Brazzaville. C'est à cause de la peur qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à affronter les choses comme telles. C'est à cause de la peur. Vous avez peur de quoi ?